Yo yo les mecs, salut les techniciens et salut tout le monde. Ça va quoi les gars? Tranquille. Il y avait plein de personnes qui m'avaient, proposé des équipes avec Gary, donc du coup je me sentais obligé de le mettre. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre Gabriel Jesus et puis Mahrez ici, j'ai juste mis Vidal et puis Dembouz. Comme ça ici on peut mettre Odegaard vu que je l'ai récupéré. Bobby il est toujours là. Je vous ai pas dit hier, mais on a réussi du coup à sauver Gary et puis Bobby pour le POTM de Neymar, pour le SBC de Neymar. J'ai bien kiffé, je le joue en buteur. Donc c'était très bizarre, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. 19 buts et 17 passes D en 33 matchs en Division 2. Parce qu'on est toujours en Division 2. Ça gère, franchement, j'ai bien kiffé. Du coup, la tactique, les mecs, elle change pas du tout. Équilibré, équilibré. Toujours 4-2-3-1. On aura Neymar à gauche, Odegaard en MOC, Dembouz à droite et Gary Lineker en buteur. Il est sorti de la cave. Les MDC, c'est Mendes et Vidal. Et puis en défense, on a une défense plutôt originale par rapport à d'habitude. Avec Davis, qu'on a fait et qu'on n'avait pas trop testé. On a joué que 10 matchs avec lui. On a Lucas Hernandez, Clément Langlais et puis aussi Florenzi. Le dernier joueur paqué donc dans le SBC Guarantee Winter Refresh là ou je sais pas quoi. Et puis évidemment on a Hugo Lloris au cage. Et en 4-2-2-2, c'est exactement la même chose au niveau du style défensif, offensif et tout ça. Au niveau des barres, etc. Et du coup on a Neymar en buteur avec Gary Lineker. Dembouz à gauche, Odegaard à droite vu qu'il est gaucher. Vidal, Mendes en MDC, puis ensuite le reste, ça change pas trop. Premier match, on tombe contre la version POTM de Courtois. Il a aussi la version Winter Refresh de Van Aanholt. Sinon, c'est une première ligue avec un peu de joueurs de Liga et aussi Adama Traoré. Ouais, 3 étoiles au pied, ça passe. Bon, la frappe, elle était quand même très très médiocre. Mais première frappe et premier but d'Odegaard, là par contre t'es bien. Là par contre t'es bien, résiste, Gary. Oh là là, Gary. Mais non, Gary, tir direct. Bien joué Dembouz. Gary, il a pas de chance. Donc il y a moyen d'avoir des trucs cool. Je vais voir après si, si on l'a débloqué ou pas. Direct. Gary. Mais oui, Gary. Il est là mon gars, il a mis sa grosse tête. Neymar. Eh oui. Encore une passe D de Odegaard. Bien vu Neymar. Du coup, on a tous ce petit pack, ce petit choix de joueurs avec les icônes prime moment. Les mains, non, laissez-moi tranquille. Bon, c'est parti, hein. Bah, Cannavaro. Bah, j'aurais préféré un attaquant, mais on a que de la merde. On a que des Italiens, mais heureusement, il y a Cannavaro. La carte de Cannavaro, les gars, pour moi, c'était le meilleur défenseur de jeu l'année dernière. Les gens, ils tout le temps, la taille. Les gars, la taille, c'est pas important cette année. Et l'année dernière, c'était hyper important et je jouais quand même avec Cannavaro Prime Moment et le mec, il bouffait quand même des CR7. Cette année, est-ce que tu vois des centres? Est-ce que tu vois des têtes, à part sur corner? Je vous dis, les gars, pensez aux mecs comme Cannavaro. Gros, l'année dernière, je jouais avec des défenseurs qui n'étaient pas méta du tout. Les gens, ils venaient limite m'insulter, mais ça me prend Van Dijk, prends ci, prends ça. J'ai joué pendant au moins 500 matchs avec Puyol version Prime Moment, gros. Puyol, il est petit et en plus, il est pas rapide. Mais je kiffais ma life parce que Puyol, c'est un mec que je kiffe dans la vraie vie. Le plus important, c'est de kiffer en fait sur FIFA. C'est grave important et l'année dernière, j'ai bien compris ça et cette année, je fais exactement pareil. Et c'est pour ça que je kiffe. Alors certes, des fois, on va rager, des fois, on va se plaindre. Il y a de quoi se plaindre hein, quand même quand tu vois les serveurs. Mais au moins, on kiffe, tu vois. On kiffe avec les joueurs qu'on... Bah, qu'on kiffe. C'est le cas de le dire. Son et Lucas. Ça sent pas bon, les mecs. Ça sent pas bon. Rijkaard, ok, ok. L'accélération et tout, le coup de rein, il était sympa. Bon, et la finition, c'est pas trop mal aussi. Petit enroulé, la pleine lunette. Elle est partie, Gary. Gary, il est parti. Va la mettre à Neymar. Mais non, c'était pour Neymar. Pff, tire. Il est dégueulasse, le but. Tu fais une passe à Neymar, gros, il te l'a fait à je sais pas qui.
I'm on the set. Do the impossible. Got you on a bet, cause a lot of things change. We be waiting in vain. If you wanna get by, no pain, no gain. Wow, Vicky's wanna test me. Gary! La carte après, ça reste une carte sympa. Mais sans plus. Bien joué Neymar. Non, ça sera pas Wissam en AD, c'est pas possible. Enfin, je vois pas Wissam en AD perso. Et si, hein, il a dû les récupérer à des swaps. Putain, je regrette de pas l'avoir. Adama Traoré encore. Si c'est Wissam Ben Yedder à droite ce soir, ils auront prouvé une chose, c'est que c'est vraiment des bâtards. S'ils mettent Wissam Ben Yedder à droite alors que le POTM, il est terminé hier, hein, il s'est fini hier. C'est vraiment des chiens. Parce que s'ils mettent Wissam, il sera sûrement aussi bien noté que le POTM. Je pense pas que c'est Wissam. Il va siffler faute là. Franchement, cette fin de frappe, elle est horrible quand tu l'as fait comme ça. Wow, magnifique. Magnifique. C'était sûr. 45ème. Florenzi qui passe à travers. Odegaard qui rate très peu d'occasions, forcément que là il va la rater. Oh là là, bien joué à toi gros. Ouais, encore un week-end où on va pas trop se prendre la tête sur les défaites. Faut pas de façon les gars, faut pas. Neymar POT, bah y a pas de différence avec le Headliners. Événement à 19h, bah ouais gros. Tous les vendredis à 19h, il y a des nouvelles cartes. Sûrement pour aider les mecs qui ont pas trop de crédit. Et juste après, tu vois, Odegaard, il va te marquer ça. Dans le match précédent, par contre, il va tout rater. Mais là, dans ce match, tout va réussir. Il est très fort, Odegaard. Très, très fort. Il fait une saison très bonne. Réponse maintenant. Mais les gars, surveillez vos connexions un petit peu. Oh là là là. Moi, je joue sur PSP. J'ai aucun problème avec les serveurs eSport. What? Mais si. Oh, ils ont mis Wissam, les bâtards. Oh, les bâtards, ils ont mis Wissam. Ils ont niqué tous les mecs qui avaient le POTM. Je suis mort. Acuna en MC. Oh, les... David Luiz, bande de fils de yinche. Et mon flashback, alors, David Luiz. DG Renato Sanchez. Mais c'est quoi, ça? Mares MOC. C'est quoi, ça? Gay. Mais ma carte, du coup, elle est inutile. Pourquoi ils font ça? Putain. Ok, Mbappé en MDC, ils ont niqué tout le monde. Ils ont niqué tout le monde. Toutes nos cartes gratuites, elles sont plus... Bah, les meilleures cartes. Ils ont pris tout le monde. D'accord, ils ont pris tout le monde, ils ont fait... Ah, bon, c'est qui en prêt? Ouais, oh. Les gars, bonne nouvelle, on va tester Messi. On va pouvoir mettre un gros titre putaclic. On a packé Messi. Comme 99% des youtubeurs. Mahrez, il fait plaisir, ouais, mais moi, j'ai déjà la version 88. Donc, je me fais niquer, au final, ma carte fut champion... Bah c'est plus la meilleure quoi. Pourquoi on fait fut champion gros? C'est ça aussi la question. Pourquoi on fait fut champion? Si nos cartes fut champion ne sont pas les meilleures cartes. Les Team of Zouk ne sont pas les meilleures cartes maintenant. C'est des cartes comme ça qui sortent tous les vendredis qui sont meilleures que les Team of Zouk. Faire fut champion ça sert plus à rien. Parce que en carte rouge, c'est des cartes Team of Zouk que t'as. Et la plupart, regarde, David Luiz, il mérite sûrement pas une carte à une forme. Il mérite pas... Wissam POTM, on en parlait, le pauvre. Maintenant, il y a une meilleure version. En AD, il a fait Upamecano. Et là aussi. Putain, une vraie équipe, en fait. Hein. Bien joué, Neymar. Oh, Gary. Le but de Gary. Ah putain, ça rentre pas. Hein. Je pense que si je pack un de ces mecs-là que j'ai déjà dans mon club, je le vends. Par si c'est non vendable, forcément. Gardien. Mais oui, Davis. Mais qu'est-ce que... Tu lui as fait une passe décisive, espèce de traître. J'avais cramé qu'elle allait la redonner. Je sais pas pourquoi mon défenseur, il s'est déplacé hors de la trajectoire du ballon. Merci, Gary.
Voilà, cette fois-ci il rentre. Et c'est, il faut attendre la 92e. Bon, lui il joue directement avec les shapeshifters là. Il a eu Atal. Il joue aussi avec son Nikon Prime moment après, c'est Bergkamp. Il y a pas mal de joueurs bleus là. Ligue des champions. Aïe aïe aïe, franchement il est vraiment très bon ce Odegaard. Ça met du temps à s'afficher hein. Daniel James. Ok, il a iconé, puis ensuite c'est que de la première ligue. Ah putain. On en met deux par match là. Bien vu Neymar. Bien vu ça. Bien vu Neymar. Ah ouais ouais ouais. Essien Prime. Ah ouais ouais, c'est une giga équipe là. Belle équipe en tout cas. Bon, c'est de la première ligue mais équipe très sympa. Ah bien joué, j'arrive à rien dans cette première mi-temps, enfin dans ces deux premières minutes, j'arrive à rien du tout. Vous avez vu, c'était pour Dembouz, hein, il me l'a donné à Mendes. T'as cassé ta manette, mais faut pas gros, fais une pause. Arrêtez de casser vos manettes, tapez votre bureau, je sais pas quoi, vous êtes pas des youtubeurs les gars. Vous avez pas besoin de faire des vues. Bien joué Mahrez. Y'a faute. Y'a faute gros, il m'a empêché de tirer, putain. Il a même pas touché le ballon, je suis sûr. Tout ça pour se manger un contre. Mais vraiment, putain. Bon, les potos, s'il te plaît. Ah, bien joué. Maradona, wow, c'est quoi ça? Maradona, Wissam OTW. CR7, Makelele Prime. Ah ouais. Bien joué Dembouz. Là, tu vois, il m'a donné le ballon avec à Dembouz. Tout à l'heure, j'ai fait une passe en retrait, il me l'a donné à Thiago Mendes. Faut que je me concentre un peu plus, là, je fais de la merde. Eh, oh, dégare toi aussi. Ok. Voilà, c'est un peu mieux. Elles ont un truc en plus, on va dire. Bah, va sur... Vidal, t'as peur du ballon ou quoi? Bien joué. Ouais, Neymar, il est bon. Bah, c'est Neymar, les gars. Mec de City, il a Klostermann en DC. Bundesliga avec pas mal de bons joueurs. Hein. Pourquoi je mets pas Boutragono? Parce que je vais me faire taper par Lineker, sinon. Bien vu, ça. Je savais qu'elle allait sortir encore son gardien, comme tout à l'heure. Neuf buts, trois passes D. Et je le joue à gauche. Hein. Je le joue à gauche. Alors certes, c'est les 10 premiers matchs. On sait tous que les 10 premiers matchs sont plus simples que les 10 prochains matchs ou les 10 derniers matchs. Bon, ça dépend. Hein. Quand tu joues le dimanche à 5h du matin, forcément, c'est un peu plus simple. Et les Rashkits sont un peu plus présents. Mais c'est validé. Hein. La carte, elle est juste magnifique. Et voilà, on a notre Neymar pour la fin du jeu. Au dégât, les gars. Très fort. Très, très fort. Vraiment une bonne surprise. Bien content de m'avoir... Voilà, de m'être fait chier à... Faut le dire, hein. Parce qu'on s'est fait chier à aller les chercher. Mais je suis bien content de l'avoir récupéré. Donc, 10 matchs, 7 buts, 7 passes décisives. Très fort. Un petit bémol sur les 3 étoiles Moepier, forcément. Bon, il avait déjà 2 de base. Donc, au final, ça reste quand même pas plus mal avec 3 étoiles. Mais 80 en finition. Même si là, je lui ai mis un Steel Sniper. Donc, il a 95. Par moment, il va rater des choses qu'il devrait pas rater. Et par moment, il va marquer des buts bah, qu'il devrait pas marquer. Et ça, je pense que c'est un peu FIFA qui est comme ça. C'est pas Odegaard. Florenzi, validé aussi. J'ai bien kiffé, puis le reste, bon, on les connaît. Mendes, pas très fort. Dembouz, ça commence à être insuffisant. Lucas Hernandez aussi.
Sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt fun, hein. C'était plutôt tranquille, j'ai envie de dire, à part deux matchs qui étaient un peu relous à jouer, mais bon. C'est FIFA 20, hein, maintenant, hein, on connaît un petit peu la méta. Mais en tout cas, bonne chance si vous faites futur champion, et bonne chance si vous ouvrez des packs pour le nouvel event de eSport. Un event très très fun pour tous ceux qui mettent aucune thune, donc c'est très cool. Donc, bref, les mecs, passez une bonne soirée, et on se retrouve demain pour la suite de futur champion. Ciao, ciao, les mecs.